Vous avez demandé Sir Arnaud du Pen, ne quittez pas. Vous avez demandé Sir Arnaud du Pen, ne quittez pas. Nous mettons tout en œuvre pour écouter agréablement votre attente. Vous avez demandé Sir Arnaud du Pen, ne quittez pas. Nous nous efforçons d'écouter agréablement votre attente. Vous avez demandé Sir Arnaud du Pen, ne quittez pas. Vous avez demandé Sir Arnaud du Pen, ne quittez pas. Tous nos conseils sont actuellement indisponibles. Vous avez demandé Sir Arnaud du Pen, ne quittez pas. Merci de rappeler ultérieurement. Vous avez demandé Sir Arnaud du Pen, ne quittez pas. Salut à tous, humanoïdes de tout poil. Bienvenue à régner dans l'étoile. Approchez, vrillettes et mouches clandestines. Aux danses sibyllines. Oyez, moustique qui s'était caché. Écoutez, cloporte qui s'incruste assez. Embarquez sur le radeau de Sir Arnaud du Patelin, car un nouvel air vous attend. Le monde est aveugle. La terre est muette. Les gens restent sourds, comment les toucher? La nature est un spectacle de beauté et de poésie. Une branche pourrie est un village de cloportes et moultes champignons. Un tas de feuilles qui moisit, c'est l'avenir d'une fleur jolie. Un jardin de vie est fertile et peut sauver des têtes. Salut à Los Angeles, je m'appelle Sir Arnaud du Patelin et je suis très content d'être avec vous ici à Los Angeles. On va faire une petite chanson béton et pourtant une chanson écolo. Ça parle d'une bétonnière qui voudrait bien échapper à sa fonction première et se réinventer un autre destin. Et pour ce faire, elle a l'idée de se transformer en bétonneuse. Pom 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 p
n'échappa au dictionnaire pour être heureuse. En bétonne, c'est l'embêteuse des architectes du monde entier. Un promoteur lui avait fait tourner la tête des gravillons pour des millions de cash pour ensevelir les villages et puis de l'eau à profusion pour noyer toutes ces têtes de cons sommateurs. Change de maison, mais on achève ses plus beaux rêves. Est parti dans la nature plus loin de Paris. Un architecte lui a fait user son moteur de la gravasse pour les pétasses qui se font la main sur d'énormes engins usant les routes qu'il faut croûte que croûte écorcher la terre entière. Je la fous en l'air. L'affirmatif. La bétonneuse à la casse, au milieu des vieilles godasses, elle broie du noir avant qu'on la voie. Elle pleure tous ses rêves envolés quand derrière une tôle ondulée elle rentre un lave-vaisselle qui tombe de suite amoureux d'elle, qui lui fait tant de projets, qui traverse les fils barbelés et s'envole, disperse le miel au pays des arcs-en-ciel. Ils sont libres désormais de détruire le béton, de chanter des chansons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le premier morceau d'introduction, j'ai utilisé une pédale loop qui est ici et qui me permet, quand j'appuie deux fois sur un bouton, de capturer les parties de guitare ou les parties de chant. Lala ! Je vous explique tout ceci pour vous dire que ce que vous allez entendre pendant ce concert est enregistré ici, en live, devant vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le premier morceau d'introduction, j'ai utilisé une pédale loop qui est ici et qui me permet, quand j'appuie deux fois sur un bouton, de capturer les parties de guitare ou les parties de chant. Lala ! Je vous explique tout ceci pour vous dire que ce que vous allez entendre pendant ce concert est enregistré ici, en live, devant vous. Eh bien, maintenant qu'on a étudié le fonctionnement de la pédale, on va pouvoir partir ensemble faire un petit tour de vélo. Et il paraît que pour faire du vélo, il vaut mieux avoir des pneus bien gonflés. C'est ce qu'on va commencer par faire. On va pouvoir rouler un petit peu mieux. Thank you.
camion sur rue. Lui, il n'est jamais crevé parce qu'il a des cheveux roux. Jean-Louis bétonne son jeune mollet. Jean-Louis fait lui-même sa mayonnaise. Jean-Louis préfère la mayo jaune. Depuis toujours à la chaîne, mais Jean-Louis rêve d'être cadre. Un jour qu'il pétait un câble, on a cru qu'il déraillait. Mais Jean-Louis ne perd pas les pédales. Jean-Louis, il aime les femmes quand elles sont courtes. Moralité, si tu ne veux pas que le monde aille à volo, bas à vélo. Eh bien, après cette petite transition, on va faire une chanson de la mort qui tue. Mais une chanson de la mort qui tue qui prône la vie avant tout, qui dit halte à tous les massacres. Un peu comme la chanson de Georges Brassens, Mourir pour des idées, qui disait que il vaut mieux réfléchir à deux fois avant d'essayer avant de mourir pour des idées. Même plutôt à trois, quatre fois, cinq fois, enfin, il faut réfléchir toute sa vie, quoi. Et puis, il expliquait avec une belle phrase qui disait « La camarde, la mort, est assez vigilante. Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. » Donc, on va faire une petite chanson comme ça pour prôner la vie avant tout. Et une fois n'est pas coutume, puisqu'on a une grande scène aujourd'hui, on va faire venir un musicien sur scène. Et le musicien, le voici, le voilà, c'est le batteur de poche. Et comme son nom l'indique, vous pouvez le voir, le batteur de poche, c'est une poche. Une poche plastique recyclée pour l'occasion. Il n'y a pas le temps de s'échauffer, mais bon, ça va. Bon musicien. Thank you.
Prenons temps de mourir tout simplement. Inutile de courir au firmament. La faucheuse a la fâcheuse manie de manier la faux plus qu'il ne faut. La cam après tu es son ami, tu feras sûrement de vieux os. Jamais ne démord de sa quête, toujours elle se crève pour nous. Et il faudrait perdre la tête pour aller se pendre à son cou. Prenons le temps de mourir tout simplement. Planons sur le chemin du firmament. La mort est une idée à creuser, elle fait l'appel et toi le mort. Inutile de vivre terré, personne n'échappe à son sort. Sachant faucher, de savoir faucher sans son foin. Alors ce serait vraiment ballot de ne pas rechanter un refrain. Prenons le temps de mourir tout simplement. Inutile de courir au firmament. Prenons le temps de mourir tout simplement. Planons sur le chemin du firmament. Après cette chanson sur la mort qui était en fait une chanson sur la vie, voici une chanson sur l'amour. Un soir timide, je m'approchais doucement. Boire à tes lèvres humides de spiritueux sentiments. À terre et sans déboire, dans ces instants sans pareil, éperdu de ton regard, dont les feux sur la merveille. Ton charme insaisissable.
tout fil de rêves encore sages qui se tissaient galbe l'onde. Sur les terres de ton corsage, je divague au bord du monde. Amandine Onishka, dans la petite Sibérie.
L'idée du climatiseur, c'était peut-être pas une bonne idée. Hein. En tout cas, je pense qu'il va falloir se réchauffer maintenant. Et quoi de mieux pour se réchauffer qu'un rock? Et même un rock fort. Et même un rock fort made in Normandie. Soyons fous! Faire le fromage, pourquoi ne pas vous offrir le dessert? Moi je trouve qu'on est bien ensemble, c'est pour ça que le temps aussi file très vite et que c'est déjà de la dernière chance. Voilà. Mais bon, une petite salade de fruits pour terminer, c'est sympathique aussi. Cassis, ah, was age.
Moi, je trouve qu'on est bien ensemble. Et qu'est-ce qui se passe quand on est bien ensemble? En général, on se fait un petit after comme ça, quand on a bien fait la fête ensemble. Et on va terminer justement par un dernier petit morceau, vraiment le tout dernier.